De quoi ça parle? Ça parle de... D'une fille et de son père. Ouais, je dirais même que c'est plutôt deux amis qui partent dans la forêt. On comprend qu'elles font une sorte de... Ils allument une bougie. J'en ai marre des bougies, je vais en parler dans le... on comprend qu'elles font toutes les deux une sorte de moment de spiritisme, mais c'est pas très bien expliqué. Elles disparaissent pendant 3 jours. On ne sait pas du tout où elles sont, et puis elles réapparaissent, et rapidement on comprend qu'elles sont possédées par un démon, et que c'est Satan. Un démon qui est lié... Ouais, c'est Satan, ils le disent. Non, c'est pas Satan. Parce que déjà, on sait que dans l'exorciste originel, c'est pas Satan, c'est un autre démon. Bon, bref, on s'en fiche, c'est le démon. On retrouve le démon qui possédait Redan, ou Regan, pardon. Regan, la petite fille de l'exorciste originel. Ouais.